L'Union européenne plafonne les paiements en espèces, voici la nouvelle limite. Le Parlement européen et les États membres ont conclu un accord fixant un plafond de 10 000 euros pour les paiements en espèces dans les 27 pays de l'UE. Cette mesure, qui entrera en vigueur prochainement, vise à harmoniser les réglementations existantes au sein de l'Union européenne. L'Allemagne et l'Autriche, où les paiements en espèces étaient illimités, seront particulièrement affectés. L'objectif principal est de prévenir le blanchiment d'argent, le crime organisé et le financement du terrorisme, en empêchant ces entités de légitimer leurs profits par le système financier. Cette règle fait partie d'un dispositif plus large visant à renforcer les contrôles sur les financements douteux et occultes. Les banques, agences immobilières et casinos seront concernées, tout comme les transactions liées aux produits de luxe, notamment bijoux, montres, voitures haut de gamme, jets privés et yachts. La réglementation s'étend également aux opérations financières en crypto-monnaie. Les clubs de football professionnels et autres acteurs du domaine bénéficieront d'une période de transition de 5 ans, avec l'application complète de la mesure dans le domaine du football professionnel prévue pour 2029.